Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Key Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 du Let's Play de Skylanders Imaginators. Dans cet épisode, on va aller dans Fizzland, donc j'imagine que vu le nom, ça doit être le monde de Pop Fizz, donc on y va, donc c'est parti. Donc, on arrive au niveau, et juste pour le fun, petite parenthèse, on va prendre Pop Fizz pendant quelques moments, parce que je trouve ça drôle. Parce que regardez, en fait on dirait son fils, j'ai envie de dire... Pop Fizz Junior, wouhou! Et quand il se transforme, ça va faire... Enfin, voilà, petite parenthèse. Je sais pas du tout ce qui vient de se passer, mais bon. On va aller au niveau, en tout cas. Ah, on peut changer de machin, en fait. Oh bah, une énigme, ça faisait longtemps. On va quand même la faire, même si... Ah bah, je sais pas s'il fallait réunir les trucs violets, mais bon, c'est pas grave. Aïe. Faut peut-être changer de... Ah bah oui, c'était logique. On devrait peut-être changer de monde. Et ben voilà. On devait changer de monde pour éviter ces créatures infâmes. Mais bon. On va essayer de trouver un moyen de comment passer là. Parce que je sais pas du tout comment faire. Donc à tout de suite. Ah ben, la radio de Skylanders Trap Team est encore là. Un coffre ajouté à la chambre. Oh bah c'est un coffre Imaginit. Donc voilà. Bon, on a remis notre Skylanders basique hein, parce que c'était juste pour le fun hein, de garder Pop Fizz, hein, je le répète. Voilà, on ouvre la porte. En fait, il faut changer de monde, en fait, pour que ça corresponde. C'est-à-dire que, en fait, il faut changer du monde normal au monde Fizz, donc... Elle est où la salle de machin là comme il disait? Peut-être qu'il faut remettre ça. On va voir. On va remettre. Mais où est-ce que ça peut être? Ah bah c'était là en fait, fallait changer de... C'est pas évident quand même. C'est pas vraiment évident. Faut rechanger de monde. Donc ça va se faire. Voilà. En fait, ce niveau, ça se joue très sur la technique, presque, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Fallait faire comme ça. Fallait peut-être faire un truc avant. Mon fils.
Je sais pas du tout comment m'y prendre, je suis un petit peu perdu là en fait. Ah bah, voilà. Faut faire comme ça. Allez par là ensuite et on a débloqué un truc, je crois bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Une gemme d'âme, j'ai reconnu. Ah bah c'est le... Ah bah non, c'est pas le Skylanders qu'on a, j'allais dire. Non, le Skylanders qu'on a c'est Chop Scotch, donc ça ne peut pas être ça. Ah, fallait peut-être retourner là-bas en fait. Ah bah oui, fallait aller dans cette direction. C'est un petit peu un machin de fête foraine en fait. Ah bah, je croyais qu'il fallait activer les... le machin de potion là pour changer de monde. Mais non, pas du tout. Quel coriace il s'est échappé, celui-là. Faut aller où maintenant? Un petit coffre Imagine It, ouvrons-le. Qu'est-ce qu'on a? Épique, un nouveau sac à dos, aile dorée, épique, nécessite le niveau 4, 18 plus attaque, 18 plus vitesse, et dupliqué, statistique améliorée, mais ça je vais pas le répéter à chaque fois parce qu'à un moment donné ça va m'énerver. Oups, j'ai peut-être fait un truc... Allez! On va réussir à faire ça. Allez. Mon fils. Mon normal. Mon fils. Enfin, le temps qu'on arrive probablement à Chaos ou je ne sais quoi, on va avancer un petit peu dans le niveau si vous le voulez bien. Je sais pas si c'est vraiment un boss, mais en tout cas, on doit l'affronter apparemment. Non, à mon avis, ça doit être un ennemi géant. Va. On a un gong de guerre juste avant, donc on va le faire, hein, si vous voulez bien. Allez. Oust. Saleté d'ennemis! Oust! Ah bah, pour la peine, on a deux coffres Imagine It, donc on va ouvrir celui qu'on a eu là. Ultime, nouvelle armure de bras, brassard de haute technologie. Ultime nécessite le niveau 6, 41 plus armure, 15 plus attaque, dupliqué statistique amélioré. L'autre qu'on a juste ici, c'est quoi? Rare, nouvelle arme de cogneur, rare, nécessite le niveau 2, 18 plus attaque, 18, 9 plus chance, dupliqué statistique amélioré. Plutôt pas mal. C'est bien ce que je disais, on devait arriver à Chaos. Oula! Classe de ninja. La douleur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Juste inutile. On s'en fiche. Hmm,
Jamais! Allez, il va mourir. Voilà, Doomlander vaincu, donc ça y est. Un coffre Imaginite, ouvrons-le. C'est parti. Épique. Armure de bras. Oh, c'est la même chose. Parce qu'on a déjà eu le truc de tortue. Épaulière. Et enfin, hache de Sensei. Donc voilà. Donc, le niveau est terminé, donc voilà. Donc, pour terminer cet épisode, on va faire une petite partie de choc de la création, donc Skystones, enfin ce que vous voulez, contre le Sherlock machin truc qu'on a vu dans Swap Force. Donc, c'est parti, on va le faire hors caméra, donc à tout de suite. On a battu le baron von Sherlock, donc ça y est. Donc, dans le prochain épisode, on aura allé dans l'arcade dorée, donc voilà. C'était l'épisode 6 du Let's Play de Skylanders Imaginators, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JSL Gaming et du bazar de HS5TV. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.